Je crois que nous allons pouvoir débuter tranquillement pendant que tout le monde finit de se connecter. Donc, je vais laisser la parole à Madame Céline Gélina pour l'animation de l'activité. Merci beaucoup, Marc-André. Bonjour à tous et à toutes. Alors, merci d'être présent à cette activité du RESIC aujourd'hui, le 19 mars 2024. Et c'est toujours un plaisir de vous voir en si grand nombre à nos activités. Donc, je suis Céline Gélina, co-directrice du RESIC avec ma collègue Josée Côté. Et nous sommes accompagnés aussi de Marc-André Maheu-Cadotte, qui est directeur exécutif pour le RESIC. Donc, avant de débuter, de faire les présentations officielles, juste quelques petites infos, comme à l'habitude. Lors des webinaires, pour vos questions, vous utilisez la fonction dans le bas de votre écran, qui est Q&A en anglais ou QAR pour les questions. Et puis, les questions vont être posées seulement à la fin du webinaire. Donc, mais n'hésitez pas, là, en cours de présentation, là, de les écrire dans cette fonction-là. Donc, c'est moi qui ferai la modération des échanges, là, à la fin de la présentation. Donc, sans plus attendre, ça me fait plaisir de vous introduire à nos conférencières d'aujourd'hui pour la présentation qui porte sur les analyses longitudinales, un survol des approches et applications en sciences infirmières. Donc, ce sera présenté par Mesdames Andrea Van Holst et Soren Arnois Leblanc. Alors, Andrea Van Holst est ma collègue et professeure à l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Son programme de recherche porte sur l'identification des facteurs de risque familiaux et environnementaux de l'obésité et de la santé cardiovasculaire et métabolique dans les populations pédiatriques. Sa recherche s'appuie sur une expertise clinique en soins infirmiers, ainsi que sur une formation approfondie en épidémiologie et en recherche en santé des populations. À l'aide de données provenant d'études de cohortes populationnelles et d'études de jeunes patients suivis dans divers programmes cliniques et communautaires, ses recherches visent à mieux comprendre le rôle des habitudes de vie, de l'environnement familial et du voisinage résidentiel dans la prévention et la prise en charge de l'obésité pédiatrique dans le but d'identifier des stratégies de prévention de l'obésité et de promotion de la santé. Madame Soren Arnois Leblanc est nutritionniste de formation et présentement stagiaire postdoctorale au Department of Population Medicine au Harvard Pilgrim Health Center Institute and Harvard Medical School, avec le soutien de l'American Diabetes Association et du Pile Fellowship. Elle étudie le rôle des habitudes alimentaires et de la génétique sur les marqueurs de risque du diabète de la petite enfance à la fin de l'adolescence dans la cohorte Projet Viva en utilisant des méthodes d'inférence causale. Avant d'obtenir cette bourse, elle a obtenu un doctorat en santé publique avec une spécialisation en épidémiologie à l'Université de Montréal et a effectué un stage postdoctoral en épidémiologie et obésité pédiatrique d'un an à l'Université McGill. De manière plus générale, ses recherches portent sur la prévention de l'obésité, du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires chez les enfants à risque et les enfants de la population générale. Donc, merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui et je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci beaucoup pour ces présentations, Céline. Donc, c'est avec grand plaisir que Soren et moi sommes ici pour parler d'analyse longitudinale. Donc, tel qui a été mentionné, on est des professionnels de la santé. On est d'abord et avant tout infirmières et nutritionnistes et non des biostatisticiennes. Par contre, on a plusieurs années d'expérience avec l'analyse de données longitudinales. Et c'est dans ce contexte-là qu'on présente aujourd'hui différentes approches qui peuvent être utilisées dans les sciences infirmières. Et on va essayer de présenter ça, pas tellement avec des termes complexes de biostatistique, mais vraiment des termes plus faciles à comprendre. Puis, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions à la fin de la présentation.
Donc, juste pour rapidement revenir sur les objectifs du webinaire, on va présenter différentes méthodes pour l'analyse de données longitudinales, en commençant par des méthodes simples, puis en progressant tranquillement vers des méthodes plus complexes. On espère aussi vous familiariser avec les méthodes longitudinales modernes, en inférence causale, qui commencent tout juste à être utilisées en sciences infirmières. On va parler des principaux défis avec les données longitudinales et des stratégies pour y remédier. Puis, tout au long de la présentation, on va utiliser des exemples concrets, soit tirés des travaux que nous, des analyses qu'on a faites, Soren et moi, ou encore de la littérature en sciences infirmières, pour vraiment montrer concrètement de quoi ça a l'air ce type d'analyse-là. Pour commencer, être certain qu'on s'entend tous sur ce qu'on veut dire par étude longitudinale, on parle d'études où la variable dépendante est mesurée plusieurs fois dans un même groupe d'individus sur une période de temps. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la qualité de vie, on mesure la qualité de vie dans les mêmes sujets à plusieurs reprises sur une période de temps donnée. Cette période-là peut être relativement courte. Par exemple, dans un essai contrôlé randomisé, on pourrait mesurer la qualité de vie au début du suivi, 3 mois plus tard et 6 mois plus tard. Donc, c'est une période relativement courte de suivi. Ou encore, on peut parler de périodes beaucoup, beaucoup plus longues, par exemple une cohorte de naissance où les participants sont suivis de la naissance, par exemple, jusqu'à l'âge adulte. Donc ici, une période beaucoup plus longue de suivi. Ce qui est caractéristique de ce type d'étude-là, longitudinale, c'est que les observations d'un même sujet dans le temps ne sont pas indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que si on mesure la qualité de vie, un même sujet, les différentes mesures de qualité de vie dans le temps vont avoir tendance à se ressembler à l'intérieur d'un sujet. Et cette non-indépendance des données, c'est un des postulats de base pour la plupart des méthodes de régression et d'autres types d'analyses. Donc, les méthodes qu'on va présenter aujourd'hui, ce sont toutes des méthodes qui tiennent compte de cette non-indépendance des données dans le temps. De différentes manières, finalement. Donc, pour commencer les approches qu'on voudrait présenter, on va commencer tout simplement avec les ANOVA à mesure répétée. Par la suite, on présentera des méthodes de trajectoire latente, puis finalement des méthodes basées sur les analyses de régression qu'on appelle Generalized Estimating Equations et finalement la modélisation à effet mixte. On va essayer de faire vraiment un survol rapide de toutes ces différentes méthodes-là pour ensuite aller plus vers les méthodes en inférence causale. Donc, les ANOVA à mesure répétée, ce que ce test-là nous permet de faire, dans le fond, c'est de comparer pour un même groupe de personnes, la réponse moyenne d'une variable dépendante dans le temps. Donc, par exemple, on a des sujets ici, A, B, C et D, qui sont vus au temps 1, au temps 2, au temps 3, puis on veut comparer la qualité de vie, encore j'utilise le même exemple, dans le temps parmi ces sujets-là. On appelle ça un within subject design parce qu'on compare la variable dépendante à l'intérieur des sujets dans le temps, si on veut. On peut aussi utiliser l'ANOVA à mesure répétée pour déterminer si la réponse moyenne dans le temps diffère d'un groupe à un autre, donc entre deux groupes, par exemple. On pourrait s'imaginer qu'il y a un groupe qui reçoit une intervention et l'autre qui n'en reçoit pas. Et là, on veut comparer non seulement la réponse de qualité de vie dans le temps, mais aussi à savoir si cette réponse-là varie entre mes groupes d'intérêt. On parle alors d'un design où il y a à la fois within subject comparisons et des comparaisons entre les sujets. Alors, pour illustrer ça, j'ai un premier exemple ici d'une étude publiée en 2000
C'était une étude où il s'intéressait à décrire le fonctionnement familial durant la période périnatale et cette transition de la période prénatale à la période postnatale. Donc, pour l'étude, ils ont recruté 593 femmes et leurs partenaires. Et au final, quand on regarde les participants pour qui il y avait des données complètes, donc aux trois temps de mesure, tant pour la femme et pour l'homme dans le couple, ils ont pu analyser seulement 114 couples, donc 228 participants. Ils ont mesuré à trois temps le fonctionnement familial à l'aide d'un outil de mesure connu, donc à la grossesse, à 4 mois en postpartum et en 8 mois postpartum. Et dans le fond, c'est une mesure de fonctionnement, de dysfonctionnement familial, si on veut. Des scores plus élevés indiquent un plus haut dysfonctionnement familial. Donc, pour l'interprétation, ça va être plus facile comme ça. Et donc, ils ont utilisé une ANOVA à mesure répétée pour tester s'il y a une diminution dans le fonctionnement familial entre les périodes prénatales et postnatales. Donc, j'ai mis dans une figure ici pour que ce soit un peu plus visuellement parlant pour les réponses moyennes, pardon, chez les femmes et chez les hommes, donc les 114 femmes, 114 hommes. Puis, on voit qu'il y a une augmentation dans le dysfonctionnement familial de la grossesse à la période postpartum. Donc, ça, c'est leur effet de temps, le within subject design. Et on voit aussi que les réponses diffèrent entre les femmes et les hommes. En fait, les femmes rapportent un plus haut niveau de dysfonctionnement comparativement aux hommes. Et ça, c'est le between subject design, la comparaison entre les groupes. Donc, un exemple tout simple pour utiliser avec une ANOVA à mesure répétée. Donc, ça nous permet effectivement de comparer des moyennes dans le temps, puis de comparer si ces moyennes-là varient entre deux groupes. Par contre, avec ce type de test, on doit avoir une variable dépendante qui est mesurée à des temps fixes pour tous les sujets. Donc, ça doit être à des visites fixes de recherche. Et on peut seulement analyser les données complètes. Donc, on a vu dans cet exemple que c'est seulement à peu près la moitié de l'échantillon qui a été inclus dans l'analyse ANOVA. Et un autre des gros problèmes ici, c'est que avec les ANOVA, on suppose que la variance et la covariance dans la variable dépendante est égale dans le temps. Puis ça, c'est un postulat qui est difficile à garantir dans plusieurs données. Donc, ça nous mène à la deuxième méthode qu'on voulait discuter avec vous, qui sont les méthodes de trajectoire latente. Et en anglais, on appelle ça Group-Based Trajectory Modeling or Models. Ça s'inscrit dans la grande famille de Growth Mixture Models. On vous donne ces termes-là parce que ce sera souvent présenté comme ça dans la littérature. Et ce que cette méthode permet de faire, c'est de prendre un échantillon, une population hétérogène, donc de gens qui diffèrent, et de les classifier dans des groupes homogènes de trajectoire ou de trajectoire développementale pour une variable donnée. Et cette variable donnée pourrait, par exemple, être la variable dépendante qui est répétée, qui est mesurée plusieurs fois dans le temps. Donc, ce type de modeling nous permet de à la fois modéliser les trajectoires et inférer pour chaque sujet la probabilité d'appartenir à l'une ou à l'autre de ces trajectoires. Et encore, je vous montre un exemple parce que c'est beaucoup plus parlant avec un exemple. Dans cette étude, ici, c'est une étude de 2019 qui regardait les trajectoires de stress professionnel chez les infirmières nouvellement diplômées. Donc, on sait bien que les infirmières nouvellement diplômées, ils ont un stress professionnel qui peut être élevé en début de carrière. Par contre, ce qui est moins bien connu, c'est s'il y a des réponses dans le temps qui se distinguent l'une des autres. Donc, s'il y a des patterns spécifiques dans ce stress professionnel-là,
et on ne connaît pas peu les caractéristiques démographiques et celles liées au milieu du travail qui peuvent prédire l'appartenance à un pattern bien spécifique de stress professionnel. Donc, c'est ce que ces auteurs-là ont voulu regarder. Ils ont recruté 332 infirmières nouvellement graduées dans quatre hôpitaux à Shanghai. Ils ont collecté les données à quatre temps au début de l'emploi, puis chaque année par la suite pour une période de 3 ans, encore avec un outil de mesure là, du stress professionnel connu. Et finalement, quand on regarde ces 332 personnes recrutées dans l'étude, à la fin, ils avaient des données que pour 152 de ces participants-là, avaient des données complètes aux 4 temps de mesure. Donc, 652 personnes sont incluses dans l'analyse de trajectoire. Donc ici, on voit une figure qui indique finalement chaque ligne correspond à la réponse au stress professionnel observé dans les 152 participants. On appelle ça un spaghetti plot. On voit aussi en rouge la réponse moyenne de l'échantillon à chacun des temps. Puis dans le fond, ici, les auteurs auraient pu faire une ANOVA à mesure répétée pour comparer la moyenne au temps 0, temps 1, 2 et 3, et ainsi de suite. Puis probablement qu'ils auraient vu que, ben, il y a peut-être une légère diminution dans le stress professionnel dans le temps, mais autrement, les moyennes sont plutôt stables dans le temps. Alors, ce que les auteurs ont plutôt opté pour faire, c'est utiliser ce modeling-là pour identifier trois groupes qui se distinguent par rapport à leur stress professionnel dans le temps. Donc, ils ont identifié un groupe qui a donc trois groupes qui a tout, les trois ont une légère diminution dans le temps. Par contre, il y en a un groupe qui a un stress professionnel beaucoup plus élevé. Un deuxième en rouge avec un stress professionnel moyen, puis un troisième avec un stress professionnel beaucoup plus bas. Donc, comment est-ce qu'ils sont passés finalement de toutes ces lignes, chaque ligne individuelle pour ensuite classifier les sujets en un de ces trois groupes-là? Dans le fond, il y a différents outils diagnostiques qui peuvent être utilisés pour un peu faciliter la sélection du modèle. Je les ai listés ici dans la diapositive. On va y revenir parce que spécifique à cette étude-ci. Mais vraiment, je vous recommande l'article qui est en référence ici sur la diapositive où les auteurs proposent vraiment une approche étape par étape pour déterminer le nombre de trajectoires et le type de trajectoire à modéliser, à favoriser. Donc, ici, donc, on va regarder le Bayesian Information Criterion, the Relative Entropy, the Average Posterior Probability Assignment, puis on veut s'assurer aussi qu'il y a au moins 5% des participants dans chacun des groupes. Donc, ça, c'est un tableau qui a été publié dans l'article. Puis, en fait, on voit l'approche qu'on utilise, c'est qu'on commence avec un modèle où tout le monde, tous les sujets sont classifiés dans un seul groupe, une seule trajectoire, donc the Class One Model. Et ensuite, successivement, on va ajouter plus de classes pour voir qu'est-ce qui s'ajuste mieux aux données. Donc, on voit que plus on augmente de trajectoire, on voit que le Bayesian Information Criterion diminue, se rapproche de zéro. C'est ça qu'on cherche. On veut que le relative entropy soit au moins plus grand que 0,5, mais encore une fois, on cherche plus c'est près de 1, mieux c'est. La posterior probability, on voudrait que ce soit plus gros que 70%. C'est ce qu'on voit aussi. Puis, ensuite, on veut s'assurer que dans chaque classe, il y a au moins 5% des sujets. On voit ici, donc, les auteurs ont choisi le modèle à trois classes, puis tous les critères sont rencontrés. En fait, quand on passe à quatre classes, on voit qu'il y a un petit groupe sous la classe 2, là, avec seulement 2,6% des sujets. Donc, probablement que c'était ça qui a guidé les auteurs pour déterminer un modèle à trois classes. Donc, ce type d'analyse-là peut être vraiment intéressant pour identifier
un groupe d'individus qui a une réponse différente des autres dans le temps. Puis, dans cet article-là, ces 21 participants se distinguaient par rapport aux autres en lien avec leur lieu de résidence, le type d'emploi, puis le modèle de préceptorat qui était utilisé. Donc, on peut par la suite imaginer une intervention, par exemple, qui viserait spécifiquement les gens qui sont plus à risque de se retrouver dans une trajectoire défavorable de stress professionnel. Un deuxième exemple rapidement. C'est qu'avec une cohorte à la cohorte Quality, une cohorte avec laquelle Soren et moi, on travaille beaucoup, qui est le Quebec Adipose and Lifestyle Investigation in Youth. Ce sont des enfants caucasiens âgés de 8 à 10 ans au début de la cohorte et qui avaient au moins un parent biologique avec une obésité. Puis, dans le fond, à chaque visite, on a des mesures anthropométriques qui sont prises et beaucoup de mesures de leurs habitudes alimentaires. Donc, par exemple, l'accélérométrie pour mesurer l'activité physique, les activités sédentaires, des rappels alimentaires de 24 heures, des questionnaires et ainsi de suite. Donc, on a la première visite qui a été faite à 8-10 ans avec 630 sujets. Et puis là, on voit dans le temps, à 8-10 ans, on avait 564 sujets, à 15-17 ans, 377 sujets. Donc, on voit qu'il y a une perte au suivi et on est présentement en train de faire la collecte de données pour les mêmes participants à 23-25 ans. Donc, une de nos étudiantes était intéressée à regarder, donc à décrire des profils distincts d'obésité de l'enfance à l'adolescence dans cette cohorte-là, donc en utilisant des modèles de trajectoire latente sur les 377 participants qui étaient présents aux trois visites. Puis par la suite, dans un deuxième temps, de déterminer si les habitudes de vie à l'enfance pouvaient prédire l'appartenance à l'une ou à l'autre de ces trajectoires. Je montre très rapidement ici les six trajectoires qu'on a identifiées. Donc, trois trajectoires, les deux en rouge et en bleu, qui ont un indice de masse corporelle stable et dans la normale au fil des trois visites. On a en mauve une trajectoire avec un surpoids stable dans le temps et en orange un surpoids stable dans le temps. Puis on a vraiment une trajectoire unique qui se distingue, là, qui était en surpoids au début de la visite et qui est retournée à un poids normal à l'adolescence. Puis dans le fond, avec les habitudes de vie. On a regardé les différentes habitudes de vie qui prédisent l'appartenance. Puis ce groupe-là, en vert, se distinguait par des meilleures habitudes alimentaires au baseline, au temps 1, au temps 0, pardon. Évidemment, il y a des défis avec ces méthodes-là également. Entre autres, ça peut être parfois difficile de déterminer quel sera le nombre de groupes ou de trajectoires à utiliser. Donc, ce n'est pas toujours évident de déterminer ce nombre de trajectoires-là. Ensuite, on peut souvent se retrouver, surtout si la taille totale de l'échantillon est relativement petite, on peut se retrouver avec des sous-groupes qui ont des petites tailles d'échantillons. On a aussi le problème avec les variables indépendantes qui varient dans le temps. Donc, on peut s'imaginer que nous, on a regardé l'activité physique au temps zéro et comment ça prédit l'appartenance à ces différentes trajectoires-là. Mais en fait, l'alimentation, l'activité physique, ça varie dans le temps aussi. Et puis, c'est cette réponse variable, des variables indépendantes, on voudrait pouvoir la modéliser également. Et finalement, c'est parfois difficile de répliquer les trajectoires qu'on trouve dans une étude ou de les répliquer dans d'autres études ou encore de généraliser les trajectoires identifiées à d'autres populations d'intérêt. Et donc ça m'amène aux méthodes qui sont basées sur les analyses de régression. Et donc là, on rentre vers, on s'avance tranquillement vers des méthodes plus complexes. Les deux méthodes que je voudrais présenter, c'est ce qu'on appelle Generalized Estimating Equation, puis le Mixed Effects Regression Modeling.
Donc, ce sont des méthodes qui permettent d'analyser la relation entre une variable dépendante et des variables indépendantes qui sont mesurées à plusieurs reprises dans le temps. Donc, la variable dépendante qui est mesurée à plusieurs reprises, mais aussi, donc, on peut avoir une variable indépendante qui est fixe, qui ne change pas avec le temps, par exemple le sexe, ou encore une des variables indépendantes qui varie dans le temps. On peut penser par exemple à l'âge. Chez les enfants, il y a une grande différence dans leur développement d'une année à l'autre. On peut aussi penser à d'autres variables indépendantes qui changent dans le temps, par exemple le stade de développement pubertaire. Alors, ces méthodes-là de régression peuvent être utilisées avec des données qui sont mesurées à des intervalles irréguliers. Donc, dans les exemples que je vous ai présentés jusqu'à date, c'est toujours les participants reviennent à des visites de recherche régulières. Par contre, si on faisait une étude à l'aide de dossiers médicaux, dossiers de patients, on sait que les personnes reviennent à des intervalles irréguliers pour soit des visites de soins ou obtenir des soins. Donc, ce type de modèle-là peut s'utiliser dans ce cas-là où les variables, les variables dépendantes ne sont pas mesurées toujours au même temps. C'est aussi des méthodes qui peuvent être utilisées en contexte de données manquantes. Par exemple, si on a la variable dépendante, elle est mesurée à 5 temps, à 5 temps dans le temps, mais pour un sujet qui a seulement 3 de ces temps-là, on peut quand même l'inclure. On n'a pas besoin de l'exclure des analyses. Puis, en fait, ces méthodes-là se distinguent ou diffèrent dans la façon que la corrélation entre les données répétées est prise en compte. Donc, dans les modèles GEE, ou Generalized Estimating Equation, cette corrélation est comme perçue comme une nuisance qu'on veut contrôler, puis on veut estimer un effet moyen pour la durée de suivi, alors que dans les mixed effect modeling, on veut estimer vraiment des effets aléatoires, des intercepts et des pentes aléatoires qui peuvent varier d'un sujet à l'autre. Donc, un exemple de chacun pour essayer d'illustrer ça, puis j'ai pris des exemples simples parce que c'est évidemment, on peut rentrer dans le beaucoup plus complexe ici avec ces modèles-là. Donc, le premier, c'est un exemple de GEE où les auteurs étaient intéressés à regarder le poids durant la petite enfance et le risque subséquent de surpoids et d'obésité. Donc, cette cohorte-là, Fit Future, c'est une étude de cohorte populationnelle norvégienne qui inclut 961 adolescents. Donc, les adolescents, les participants ont été recrutés à l'âge de 15 à 17 ans et ont été revus une deuxième fois à 18-20 ans. Donc, notre variable dépendante, elle est mesurée à ces deux temps-là. Donc, une fois à l'adolescence et une fois à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Et puis, dans le fond, les variables indépendantes sont allées chercher des données dans des registres, dans des dossiers de naissance, des dossiers cliniques, pour aller chercher le poids à la naissance, et le poids et la taille, durant la petite enfance. Et dans cette étude-là, dans le fond, ils ont estimé l'association entre le poids à la naissance et l'indice de masse corporelle durant la petite enfance avec le risque de surpoids plus tard à l'adolescence et jeune adulte. Donc, ici, notre variable dépendante, c'est une variable dichotomique, donc comme on utiliserait pour une régression logistique. Donc, dans le modèle GE, on doit spécifier que la distribution de la variable, elle est binomiale. On doit aussi sélectionner une matrice de corrélation. Donc, ça, c'est un peu pour tenir compte du fait qu'il y a une corrélation entre nos données répétées. Dans cet exemple, les auteurs ont choisi la matrice qu'on dit unstructured en anglais. Puis ça c'est, on assume que la corrélation dans les mesures répétées est différente d'un sujet à l'autre. Il y a d'autres options qui existent que j'ai listées ici à titre de référence. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ce sont des modèles qui sont quand même assez robustes. Donc, même si on spécifie la mauvaise matrice de corrélation, on devrait obtenir des résultats semblables.
Et puis, en fait, là, j'ai extrait juste quelques résultats de cette étude-là ici, où on regarde, dans le fond, les ratios de cotes avec leurs intervalles de confiance. Puis ça, c'est vraiment un effet moyen pour la durée de suivi. Donc ici, ils ont eu deux visites entre 15 et 20 ans. Donc, c'est l'effet moyen de l'âge de 15 à 20 ans. Puis, on peut dire que pour chaque augmentation d'un écart type dans le poids à la naissance, le ratio de cote associé au surpoids à l'obésité est de 1,18. Donc, il y a une augmentation du risque de surpoids et d'obésité. Puis c'est la même chose quand on regarde le statut pondéral de 2 à 4 ans. Par exemple, on voit que avec un enfant qui avait un surpoids comparativement à un poids normal durant la petite enfance, un ratio de cote de 1,74 plus élevé pour avoir un surpoids, une obésité en moyenne de l'âge de 15 à 20 ans. On voit aussi que les intervalles de confiance sont assez larges, surtout pour l'estimer pour l'obésité en période de la petite enfance. Donc, c'est quand même assez simple comme interprétation, un peu comme un ratio de cote d'une étude, d'une régression logistique. Et ça m'amène maintenant vers un Mixed Effects Model. Ici, je présente une étude où on regarde, on a évalué une intervention qui visait la promotion, pardon, des saines habitudes de vie chez des jeunes avec une obésité sévère, donc et des comorbidités liées à l'obésité. Donc, c'est une étude de cohorte parce qu'on n'a pas de groupe de comparaison. Donc, on a 106 jeunes qui ont commencer et compléter le programme circuit qui se donne à Sainte-Justine. Bon, très rapidement, c'est un programme où des kinésiologues, des nutritionnistes et des psychoéducateurs travaillent avec les jeunes et leurs familles pour promouvoir des saines habitudes de vie. Et on a mesuré les variables dépendantes qui d'intérêt à 3 temps, donc au début du programme, un an plus tard et 2 ans plus tard. Et ici, on a utilisé des régressions linéaires à effet mixte pour estimer le changement dans les variables dépendantes à 2 ans. Donc, on voulait comparer le baseline, le début à 2 ans et le changement entre ces deux périodes-là. Donc, c'est des régressions linéaires parce ce sont des variables dépendantes continues, mais on aurait aussi pu regarder avec des variables dépendantes binaires. On a inclus ici une variable de temps qui est donc comparer le temps 2 au temps baseline, le temps 1 au temps baseline, puis on a ajusté pour l'âge et le sexe l'âge au cours des visites. Donc, ici, dans la prochaine diapo, je vous montre. Pour être un peu plus succinct, juste les résultats en termes de fonction cardio-respiratoire et de capacité physique. Puis, dans le fond, c'est les différents outcomes qu'on a regardés. Ici, on voit par exemple pour le VO2 max, donc la fonction cardio-respiratoire, du baseline au temps 2 ou à l'année 2, on a vu une augmentation de 3,5 millilitres par kilogramme par minute d'augmentation dans le fond dans le VO2 max chez les jeunes. Puis on pourrait faire la même chose pour les différents outcomes qu'on a regardés. C'est sûr que c'est des modèles qui sont c'est un peu plus facile de gérer certaines des données manquantes. Donc, on peut utiliser tous les sujets et même s'ils n'ont pas complété toutes les visites de suivi. Par contre, on peut quand même avoir la perte au suivi. On a vu dans les différentes études que j'ai montrées qu'il y avait une perte au suivi dans le temps. Puis ça peut mener à un biais de sélection. C'est avec les méthodes de régression, on peut tenir compte de variables qui varient dans le temps, donc l'âge, par exemple. Par contre, il y a d'autres facteurs de confusion qui sont influencés par une exposition antérieure. Et ça, c'est plus difficile de tenir compte de ça. Et c'est ce qui mène aux méthodes plus avancées qu'on voulait vous présenter initialement. Et je laisse la parole à Soren pour cette partie.
Merci Andrea. Donc, je vais poursuivre pour la deuxième partie de notre présentation aujourd'hui. Puis un peu, c'est vraiment en relation avec les défis qui viennent d'être présentés, quelles sont des techniques qui peuvent être apportées dans les études épidémiologiques. Mais premièrement, on va parler de gestion des données manquantes et de la perte au suivi avec des outils statistiques, ainsi qu'un petit mot sur les modèles structuraux marginaux longitudinaux. Prochaine. Autant dans une analyse transversale et longitudinale, on va vouloir exploiter toute l'information recueillie par les participants. Par contre, les modèles statistiques, comme on a vu dans la présentation au début, c'est qu'ils vont restreindre par défaut aux individus dont l'ensemble des variables dans le modèle sont observées, comme si on porte une régression multivariable. Ça va inclure vraiment toute mon exposition, l'issue, ainsi que les covariables qui sont inclus sur cet échantillon-là avec les données observées qu'on va faire le modèle. Ce qui correspond à une analyse en cas complet, et les problèmes avec l'analyse en cas complet, il y en a deux. Premièrement, ça engendre une perte de précision parce que les individus qui sont exclus de l'analyse dues aux valeurs manquantes, bien, ça va aller restreindre notre taille échantillonnale, notre N va décroître par rapport au nombre de participants qui avaient été évalués. Et aussi, ça peut engendrer un biais. Donc ça, c'est encore plus grave parce que dans le contexte que les individus exclus pourraient différer de notre échantillon de départ et ça va engendrer un biais de surdonnées manquantes quand que les facteurs pour lesquels les individus ont des données manquantes, c'est lié à des caractéristiques qui sont autant reliées à l'exposition que à la maladie, comme si au niveau du statut socio-économique ou de la disposité, par exemple. Ici, j'ai un exemple, c'est un exemple transversal. Donc, c'est sur l'étude CARDEA qui est faite au CHU Sainte-Justine, qui vise à étudier le risque cardiovasculaire précoce chez les adolescents avec diabète de type 1. Alors, ici, on a vraiment comparé des jeunes qui ont un diabète de type 1, ce sont des adolescents de 14 et 18 ans, à des jeunes sans diabète. Il y avait 100 jeunes recrutés avec diabète de type 1, 97 sans diabète. Puis on a comparé entre les groupes plusieurs marqueurs précoces de santé cardiovasculaire. Et ça incluait des tests de régie artérielle, de fonction endothéliale. Et on a même évalué la structure du myocarde par IRM. Donc, ce qu'on a fait en premier, c'était de faire des tests de Student et de m'emmener pour comparer ces marqueurs entre les deux groupes. Et puis ensuite, on faisait une régression linéaire multivariable qu'on ajustait pour des facteurs de confusion potentiels. Également, ben, puisqu'on avait plusieurs marqueurs cardiovasculaires, on faisait un modèle distinct des régressions par marqueur, par issue. Alors, ici, dans cette étude CARDEA, ben, si on regarde la proportion de données manquantes chez nos 197 participants, bien, on peut voir qu'en général, le profil n'est pas si pire si on suit à la règle de qu'il faut qu'il y ait moins de 5 % de données manquantes. Par contre, il y en a un qui était vraiment difficile, c'était le test qui mesure lateral stiffness. En anglais, c'est le pulse rate velocity test. En français, c'est le vitesse d'onde de pouls qui mesure la rigidité artérielle et qu'on voit qu'il y avait presque 22 % de données manquantes pour ce test, qui était une de nos issues d'intérêt. Tu peux continuer? Prochaine, Andrea. Alors, la vitesse d'onde de pouls a plusieurs données manquantes, près de 22 %, et quelles étaient la raison? C'est que le test est difficile à exécuter, même si c'était avec des techniciens en radiologie très expérimentés. De plus, on constatait qu'il y avait plus de données manquantes chez les jeunes avec diabète de type 1. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient été recrutés en premier, donc il y a comme eu un gradient dans l'expérience pour effectuer le test. Et aussi, on remarquait que c'était plus difficile chez les jeunes avec obésité de détecter la l'onde de pouls. Alors ici, puisqu'on a 22 % de moins de données pour cette issue, ben, on a vraiment une perte de précision dans notre échantillon et on aurait un biais probable si on ne fait rien pour mitiger ceci parce que non seulement c'est manquant, mais aussi on pense que c'est manquant plus chez les jeunes avec diabète de type 1 et plus chez les jeunes avec obésité. Dans ce contexte longitudinal, si on reprend le même exemple de l'étude CARDEA, mais on se projette dans le futur et qu'on a fait notre évaluation de début que je viens de vous montrer avec nos 197 participants, mais que CARDEA devient enfin une cohorte et on va évaluer les jeunes à deux autres reprises, 3 ans et 6 ans plus tard,
Donc, dans le tableau, ce sont des chiffres fictifs. Vous voyez début, suivi 1, suivi 2. Et c'est le total des participants avec des variables observées par visite et par statut de diabète. Donc, ça avec diabète de type 1 en haut et sans diabète en bas. Donc, admettons qu'on a eu nos 100 et nos 97 jeunes au début de l'étude et qu'au suivi 1, ben, on en a perdu un peu au suivi et encore plus au suivi 2 et que à chaque fois, ben, on a encore des données manquantes sur notre vitesse d'onde de Pou. Comme si je prends les jeunes avec diabète type 1, bon, on avait 85 valeurs observées au début et là, on passe à 80 au suivi 1 et puis à 78 au suivi 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, étant donné qu'on a des données manquantes? La première chose, c'est qu'on préfère strictement, c'est revenir, Andrea, juste, oui, ici, merci. Et on préfère strictement une analyse d'un cas complet, et c'est-à-dire de restreindre aux jeunes qui ont fait non seulement les trois visites, mais qui ont des données complètes observées pour la vitesse d'onde de Pou à ces trois visites. Donc, si je prends le plus petit chiffre ici, ça serait seulement un échantillon de 78 jeunes qui respectent ces critères, avec diabète de type 1 et 79 sans diabète. Une autre option dans le contexte longitudinal, c'est qu'on préfère une analyse en cas complet à nouveau, mais ici restreindre aux jeunes qui ont une donnée observée de vitesse d'onde de Pou à au moins une visite. Donc, en utilisant une structure comme un modèle AFMX ou un GEE, comme Andrea vous a présenté, bien, ce que ça permet de faire, c'est puisque ça traite les personnes par observation, par visite, donc qui ont vraiment une ligne chacun par visite effectuée, puis on va aller chercher l'information quand une personne a fait la visite, mais le participant ne sera pas exclu si il y a une des visites qui n'a pas été effectuée sur les trois. Mais l'option 3, qui peut être intéressante, c'est de faire de l'imputation de données. Ici, on pourrait, par exemple, décider de faire une imputation où, à chacune des visites, je veux aller retrouver mon échantillon de personnes qui ont été évaluées. Donc, aller vraiment imputer la variable de vitesse d'onde de Pou et passer à 100 jeunes au début, 90 au suivi 1, 80 au suivi 2. Donc, on va aller vraiment imputer la donnée manquante des personnes qui ont effectué la visite. Et ainsi, ça nous permet d'aller vraiment maximiser en prenant toute l'information d'une personne qui était présente au suivi. En regard des méthodes d'imputation de données, il y a des méthodes simples qui existent, que vous avez sans doute vu dans des articles scientifiques. J'en nomme deux, l'imputation par la moyenne. Donc, s'il y a une valeur manquante, on va simplement attribuer la moyenne des observations à cette valeur manquante-là. Ou dans le contexte longitudinal, on préfère le Last Observation Carried Forward, LOCF, c'est qu'on va prendre la valeur observée lors d'une visite antérieure et simplement la transposer à la prochaine visite. Donc, si un jeune a une glycémie à 4 millimoles au début et qu'il n'était pas présent au suivi 1, ben on va imputer à 4 millimoles à nouveau au suivi 1. Par exemple, ces méthodes sont peu recommandées parce qu'elles reposent sur de fortes présuppositions et ça va aller sous-estimer l'erreur type puisque notre variance va diminuer en imputant avec des valeurs ici. Alors, on recommande plutôt d'utiliser l'imputation multiple. Comment ça fonctionne vraiment en surface et seulement en basant sur ces deux images-là? Là, je vais y aller avec la méthode qui est le plus souvent utilisée. Ça s'appelle les équations chaînées. Puis le principe sur quoi ça repose, c'est que en haut à gauche, je vais commencer avec cette image-là, c'est qu'on va avoir un champ de données incomplet. Donc, on voit qu'il y a des trous, des points d'interrogation dans notre champ de données. Et ce que ça va faire, c'est que les équations chaînées vont vraiment prendre la variable A et conditionnellement aux autres variables dans notre jeu de données, les variables B et C vont imputer une valeur pour les variables A. Et donc, ça va faire la colonne complétée. Et ensuite, on va passer à la prochaine variable. La variable B, on va imputer en fonction des autres variables dans notre jeu de données. Et même chose pour la variable C. Et ainsi de suite, on fait ça avec toutes nos variables du jeu de données d'imputation. Et ce processus-là itératif va se faire pas une seule fois pour aller. Finalement, on va avoir un jeu de données complété. On ne le fait pas seulement une fois, mais plutôt, on va répéter cette procédure-là 20, 30, 50 fois même ou plus. Alors, si on regarde l'image qui est en bas à droite, on est parti avec un jeu de données original qui a des trous dedans. On a généré de multiples versions d'un jeu de données complet où on a tout rempli des trous. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre modèle d'analyse, une régression linéaire, par exemple, et puis, avec la loi de Rubin, ça s'appelle, on va aller recalculer notre modèle, mais en gérant
toutes les possibles versions de nos jeux de données et prendre en compte le fait qu'on a une variance à l'intérieur d'un jeu de données, mais aussi inter-jeux de données. Ce qui va nous donner au final ben, un coefficient bêta, par exemple, et une variance robuste avec données imputées. Alors, ce qui est important, c'est qu'on ne se fie pas seulement à un jeu de données qu'on a rempli les trous, mais une grande version et que la loi de Rubin permet d'aller gérer l'incertitude parce que rien ne nous dit que notre modèle était exact, reflétait des valeurs réelles qui auraient dû être observées. Alors, l'imputation de données multiples va permettre de maximiser notre taille échantillonnale, mais aussi de générer un estimé qui va incorporer toutes les observations, ainsi de peut-être mitiger le biais relié aux valeurs manquantes. Car on va aller imputer les données manquantes avec une méthode rigoureuse. Par contre, ce procédé n'est pas magique. Il faut vraiment planifier la procédure d'imputation de manière avec précaution. Bien examiner les postulats sur lesquels on repose et bien définir le modèle d'imputation. Ici, je mets en exemple quelle variable inclure, mais c'est aussi quelle distribution, est-ce qu'il y a aussi des termes quadratiques qu'on devrait spécifier, ainsi de suite. Donc, l'article ici de White et al., Statistics and Medicine 2010, c'est vraiment une bible pour moi parce que ça, c'est vraiment une approche étape par étape pour bien tout vérifier ces postulats. Le coder l'imputation multiple n'est pas si complexe et ce grâce à des packages et macros qui vont exister dans les principaux logiciels statistiques. Donc, concernant la perte au suivi, comme on a vu dans les exemples de la première partie avec Andrea, puis aussi comme dans le tableau fictif ici, c'est que la perte au suivi va être inévitable dans des devis longitudinaux, dans les études de cohorte ou les essais randomisés contrôlés. Ceci engendre à nouveau une perte de puissance parce qu'on perd des individus au cours du temps, mais aussi un biais de sélection parce que, comme le principe de données manquantes, les personnes perdues au suivi pourraient différer l'échantillon de départ et ici, c'est des caractéristiques. Et ces différents en matière de caractéristiques sont associés à l'exposition et la maladie, mais là, ça va vraiment engendrer un biais de sélection. Il existe des méthodes d'imputation longitudinale, donc on les veut vraiment remplir tout le monde dans ce tableau. Et même s'ils n'avaient pas été évalués au suivi 2 et 3, par exemple, mais ceci repose sur des très fortes présuppositions et j'aurais tendance à plutôt vous proposer une autre option statistique qui a été développée pour mitiger la perte au suivi. Ceci s'appelle la pondération par l'inverse de la probabilité d'être censurée, l'IPCW, c'est tiré de méthode en inférence causale et comment ça fonctionne? C'est que nos cas complets, les jeunes qui ont été observés à une visite, vont en fait être pondérés par l'inverse de la probabilité d'être censurés, et ce, en fonction on va générer un poids de probabilité de censure qui va être conditionnel à des variables qui seraient associées à l'exposition à la maladie, donc nos facteurs de confusion, ainsi que des prédicteurs d'être censurés. Ces poids vont permettre d'aller surreprésenter les caractéristiques des participants perdus au suivi dans le modèle analytique. Donc, comment ça pourrait fonctionner? C'est si on observe que les personnes qui censurent, les personnes avec statut socio-économique plus faible ou avec excès de poids ont tendance à plus quitter l'étude, bien, ceci va faire un poids beaucoup plus élevé pour ces caractéristiques. Donc, une personne qui a été gardée dans l'étude, qui a été observé, qui présente ces caractéristiques, va représenter beaucoup plus de copies pour aller vraiment balancer nos groupes et afin que ceux qu'on a gardés dans l'étude soient représentatifs de notre cohorte initiale. Et finalement, ben, les poids qu'on a computés avec un modèle de régression logistique, ben, on va aller spécifier dans le modèle longitudinal, pardon, qu'on utilisait. Donc, ça peut être soit dans un modèle FMX ou un GE. Je veux maintenant conclure avec un cas particulier d'analyse longitudinale. Et ici, je me fie à l'exemple de qu'on voudrait vérifier le rôle de l'activité physique sur la glycémie durant l'enfance et l'adolescence. Puis on est dans un contexte où on va avoir des variables d'exposition qui vont varier au cours du temps, des variables de confusion qui vont varier au cours du temps. Donc, si c'est correct, on peut le gérer avec un modèle FMX ou un GE. Mais par contre, on est dans une situation particulière où on pourrait avoir des facteurs qui peuvent être conçus des animations, Andrea.
Oui, encore des variables de confusion qui pourraient être affectées par des valeurs antérieures de l'exposition. Par exemple, si je veux regarder activité physique et glycémie, bien, il pourrait y avoir des facteurs de confusion comme la disponibilité, la diète ou le temps d'écran qui pourraient être influencés par des niveaux d'activité que le jeune faisait à la visite antérieure. Alors, on ne peut pas vraiment gérer ceci avec des modèles statistiques traditionnels parce que si je décide d'ajuster pour la adiposité, ben là, ça devient comme une variable intermédiaire et ça ferait juste atténuer notre association. Et si je ne prends pas en compte ces variables, bien, ça va générer un biais parce qu'on a complètement écarté une variable de confusion. C'est pour ça qu'elles viennent en scène les modèles structuraux marginaux longitudinaux. Alors, si je veux m'intéresse à l'effet de l'activité physique sur la glycémie dans un contexte où on a l'exposition à un facteur de confusion qui varie au cours du temps, mais qui serait aussi influencé par les niveaux antérieurs de l'exposition, bien, prochaine animation, on peut utiliser ces modèles, c'est tirer des méthodes en inférence causale. Alors, il y a un livre qui est libre d'accès en ligne, là, Causal Inference, What If, c'est fait par Miguel Hernande et James Rubin, qui sont vraiment les grands leaders dans le domaine à Harvard. Et brièvement, là, c'est que ça va nous permettre de vraiment supposer une structure de relation causale. Donc, on va construire un diagramme et on va vraiment voir c'est quoi la structure entre toutes nos différentes variables dans la question qui nous intéresse. Et ensuite, d'utiliser des statistiques qui vont aller détacher l'attribution au traitement, comme un traitement d'activité physique, à l'issue contrefactuelle et ceci avec des techniques comme la formule G et la pondération par l'inverse de probabilité de traitement, ce qui nous permet d'aller vraiment scinder notre échantillon et d'aller couper cette relation-là et ainsi de pouvoir gérer les facteurs de confusion qui seraient influencés par l'exposition antérieure. C'est ce qu'on a fait avec l'équipe de la Code Quality en 2023. Donc, on regardait l'activité physique et les temps sédentaires sur le développement de diabète de type 2. Et dans la Code Quality, on a utilisé les données à 8, 10, 10, 12 et 15, 17 ans. Et pour les médecins chinois, en fait, on a fait de la pondération par l'inverse de la probabilité de traitement et de censure pour mitiger l'impact de la perte au suivi. Et ce qu'on a vu dans ce modèle, j'attire votre attention sur l'activité physique. Donc, on a vu que les jeunes qui faisaient plus d'activité physique allaient avoir un glucose 2 heures réduit au cours de l'enfance et de l'adolescence et faire plus de temps d'écran et de temps sédentaire mesuré par accéléromètre est associé à une glycémie à jeun plus élevée durant l'enfance et l'adolescence. En conclusion, nous avons vu quatre méthodes pour les analyses longitudinales. Elle a les ANOVA mesures répétées, trajectoires latentes, les JMM, ainsi qu'un petit mot sur les modèles structuraux marginaux longitudinaux. Et en fait, quelle analyse sélectionner? Mais tout va partir de la question de recherche à laquelle on s'intéresse, qui va ensuite nous permettre de bien choisir le modèle analytique. Et en espérant que notre présentation d'outils statistiques disponibles pour gérer les données manquantes et la perte au suivi vous inspirera à les intégrer dans vos propres études. Alors, voici nos remerciements, puis on vous remercie, André et moi, grandement pour votre attention. Et merci beaucoup pour cette présentation très, 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 très aidante et remplie de plusieurs informations. En fait, je vais regarder si j'invite les gens là, à mettre leurs questions là, dans le Q&A. J'en vois pas pour l'instant, mais j'aimerais peut-être démarrer la discussion là, avec la conclusion, là. Au niveau du choix des analyses, bon, un point que vous avez émis qui est important, c'est que ça doit être lié à la question de recherche. Donc, effectivement, dans les types d'analyses que vous avez présentées, bien, il y en a qui vont être pertinents plus lorsqu'on connaît déjà les groupes, quand on fait de la randomisation et qu'on a déjà des groupes identifiables, versus quand on ne connaît pas les groupes ou les trajectoires du futur. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre un peu sur ben, quelles sont les meilleures options, dépendamment de si on connaît a priori
les groupes versus a posteriori. Quelles seraient vos recommandations un peu plus générales sur le type d'analyse à faire? Là, ça commence à rentrer les questions. Je vais peut-être commencer, Sorène, tu Oui. rajouteras si au besoin. En fait, une des distinctions fondamentales, c'est que quand on connaît déjà les groupes, par exemple dans un essai contrôlé randomisé, on a beaucoup plus de contrôle sur l'étude. Donc, on a randomisé nos participants, on a beaucoup moins de variables de confusion, ou on a moins d'inquiétudes par rapport aux variables de confusion. On a un échantillon select, si on veut, qu'on a choisi pour être sûr qu'il soit plus. On fait beaucoup plus d'efforts pour les maintenir dans la cohorte. Donc, il y a des éléments reliés au design qui sont très spécifiques aux essais contrôlés randomisés que, par exemple, dans les études de cohorte, on n'a pas ça. On a un groupe de sujets, puis on a évidemment, on a toujours un risque de perte au suivi dans les essais contrôlés randomisés aussi. Là, je ne veux pas minimiser ça, mais il est beaucoup plus important, je pense, dans les études de cohorte. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant de pouvoir non seulement imputer les données manquantes, mais aussi adresser la perte au suivi, par exemple, avec les méthodes de pondération que Soren a pr présentées. Merci. Je peux peut-être aller là, dans le Q&A parce que ça commence. Il y a plusieurs questions qui sont adressées. En fait, j'ai une question ici par rapport à l'imputation des données. Donc, la limite pour l'imputation des données, en fait, quel pourcentage de données manquantes on peut imputer? Donc, qu'est-ce qui est raisonnable? Peux-tu y aller, Soren, ou tu veux que je me lance? Oui, ben, tu pourrais complémenter si nécessaire, mais la règle générale, c'est que si ça va au-delà de 30-50%, c'est que le modèle d'imputation, même si on le fait, probablement que ça reflétera pas un estimé robuste puis que ça va donner des résultats qui pourraient être douteux. Donc, en général, là, si c'est au-delà de 50%, je reconsidérerais si c'est une variable qu'on devrait considérer dans le modèle ou pas. J'ai déjà entendu jusqu'à 70%. Mais bon, je suis un peu frileuse. Andrea? Moi, j'y vais plus 20-25 %. Donc, je suis Bon, beaucoup voilà. plus. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de règles précises par rapport à ça, là. J'imagine que ça dépend aussi du niveau de confort puis de ce qui est mesuré. Exactement. Puis je pense que ça dépend de la qualité de nos variables auxiliaires dans le modèle. Par exemple, si on a vraiment un excellent prédicteur qui a été assez systématiquement observé, dans le modèle d'imputation, bien peut-être qu'on pourrait tolérer un peu plus de données manquantes, là, parce qu'on sait qu'on va être capable de quand même bien l'expliquer. Okay. Je regarde le temps aussi en même temps. Bon, il y a une question ici par rapport à l'inclusion de la variable temps dans les modèles, là, mais je pense qu'elle était représentée là, dans l'ensemble des exemples que vous avez donnés. Bon, j'ai une autre question ici. Quelles seraient les ressources que vous suggérez pour le développement des habiletés des étudiants en analyse longitudinale au-delà des cours universitaires? Soren, puisque tu es plus proche des étudiants que moi, c'est sûr qu'on a mis quelques références dans nos diapositives, donc que ce soit des articles et des livres qu'on recommande. Au-delà des cours, donc je crois que la plupart des départements donnent maintenant des cours sur les analyses longitudinales. En tout cas, à McGill, si on n'en donne pas à l'école des sciences infirmières, on peut prendre des cours au département d'épidémiologie. Des cours en ligne, il doit y en avoir. Je peux regarder si peut-être la personne qui a posé la question, si tu peux me donner son nom, Céline, je pourrais re regarder qu'est-ce qui existe en termes de cours. Mais ça, c'est à peu près ce que j'ai à proposer. Sorène, est-ce que tu as d'autres choses? Non, j'abonderais dans le même sens que toi. Peut-être que des fois, il y a des bons textbooks, par exemple, sur, est-ce que c'est Simon Wood qui fait les modèles linéaires à FMX, mais qu'il va vraiment avoir des exercices intégrés à la fin des chapitres pour vraiment les tester. C'est sûr, souvent, c'est des exemples, plus parfaits, là, d'analyse de données, mais on pourrait aller
On peut télécharger les jeux de données libres d'accès, puis faire et pratiquer et implémenter ça en code. Ça peut être une autre alternative, mais peut-être que suivre des webinaires ou sur le thème ou faire des cours en ligne pourrait être très aidant. C'est pour autant que on peut se mettre les mains à la pâte, je trouve, et faire les analyses soi-même. Il y a le j'oublie comment ça s'appelle exactement, là, mais le Centre interuniversitaire québécois en statistique, là, je l'appelle le CICS, je ne sais pas trop si c'est ça la bonne abréviation, mais parfois, eux, ils offrent des cours, donc c'est via eux qu'on a accès aux différentes enquêtes, par exemple de l'Institut de la statistique du Québec, puis parfois, ils donnent des formations également, donc à voir sur leur site web. Merci beaucoup. Peut-être une petite dernière qui serait rapide, je pense. Pour les GEE, est-ce qu'il est possible d'inclure des observations des individus ayant une durée de suivi différente? Je suis pas certaine de comprendre la question exactement, mais effectivement, donc si je comprends bien, disons qu'on a une étude où le nombre de suivis maximum, c'était 5 ans, mais certains de nos sujets ont 2 ans, d'autres ont 3 ans, d'autres ont 5 ans. Oui, c'est possible. Donc, on peut inclure les sujets avec le nombre de suivis qu'ils ont rapporté. Excellent. Bien, merci beaucoup. Donc, c'était le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci à vous deux pour cette belle présentation très, très intéressante et enrichissante. Juste quelques petits messages. Cette semaine, jeudi le 21 mars, de midi à 1 h, on a notre AGA du RISIC. Donc, vous êtes invités à vous inscrire pour cet événement-là. Et le prochain webinaire aura lieu mardi prochain, le 26 mars, toujours à la même heure à midi. Et le titre est Migration et jeunes familles, défis santé et implications pour les soins. Et ce sera un webinaire animé par Madame Lisa Mary, qui est professeure à l'Université de Montréal, et Christine Gervais, qui est professeure à l'UQO. Et vous pouvez bien évidemment vous inscrire à cet événement. Donc, merci à tous et toutes, et merci spécial à nos deux présentatrices. En vous souhaitant une belle semaine.